Dimanche, je pars à la boulangerie, non pas pour petit-déj, parce que ça c'est déjà fait. Ce midi, on va manger chez ma maman. J'ai proposé d'apporter le dessert, et notamment s'il y en a. J'aurais peut-être dû réserver des mini-hardises ou du café, c'est sympa. Oui, donc ce matin, je me suis réveillée avec une frontale. Par contre, je sentais que ça allait pas être une migraine de l'espace, donc j'ai pas voulu prendre un triptan, parce que l'avantage, c'est que ça marche extrêmement bien. Mais l'inconvénient, si tu en prends trop, à un moment donné, tu vas devenir addict, tu seras en manque, ce qui veut dire qu'après, il faut en prendre beaucoup, tu peux devenir migraineuse chronique. Et ça, surtout pas. J'évalue et je prends vraiment quand je sais que ça va me pourrir la journée. Parce que là, regardez, je me suis réveillée donc très tôt. Et ça tombe bien parce qu'il fallait que je bosse, j'avais des bordereaux à faire. Café, paracétamol, et ça a l'air d'aller. En tout cas pour le moment. Il fait quand même très froid là. Ouh bah d'accord, je ne vois plus rien. J'ai trouvé déjà des petites mini-hardises sucrées et ils avaient des roussettes. Sympa ça pour compléter au café, je trouve. Voilà. Ça a cette forme. C'est très bon. On m'a dit d'ailleurs, c'est très bon avec du Nutella ou de la confiture. Ah bah oui. Celui-ci a vomi ce matin. Je pense qu'il a encore mangé un truc qu'il n'aurait pas dû. La dernière fois, c'était du plastique d'une fleur. Ah bah, tu te cognes. Résultat, bah, je lui ai redonné à manger parce que, bah oui. Mais non, mais là, t'as trop, là. Je vais te redonner. Oui, je me suis habillée vite, hein, je vais pas mettre ça. Par contre, tu permets quand même. Je n'ai pas tourné hier, enfin, j'ai pas filmé quand on était chez ma maman. Vous l'aurez compris, bah, nous sommes le lendemain. Par contre, on s'est régalé. Elle avait fait un tagine au poulet avec forcément plein de légumes. Excellent. Aujourd'hui, eh bien, je commence la production, même s'il me manque le dernier article qui doit arriver demain, mais là je vais m'avancer, je vais faire tout ce qui est bordereau, le cartonnage. Et j'ai embauché quelqu'un qui vient m'aider et qui arrive dans 5 minutes, donc ma maman, pendant 2 heures. Mais j'ai un truc à faire qui est... je peux pas vous le dire, mais ça va bien m'aider, voilà. Et je me suis dit que... parce que je vous avais dit que c'était pas sûr que je vlogue là pendant cette période de production, mais si je vlogue un petit peu tous les jours, bout à bout, ça me fera un petit vlog semaine peut-être. En tout cas, vous aurez un petit vlog. Ah, 13h58. Eh ben, je vous dis qu'elle a, elle a eu peur d'arriver en retard. Eh ben, je vois que l'employé est à l'heure. Ça va? Bah oui, moi, tu arrives avec quoi, là? Ah. Des crêpes. Des crêpes? Oui. Ah oui, cool. Ah, je suis contente. Non, non. Et vous pointerez, hein? Oui, bien sûr, je pointe. C'est en haut ou en bas? C'est en haut, c'est en haut. En haut, d'accord. T'as mis ton petit nœud, j'aime bien. Allez. C'est mignon ça. J'aime bien moi. Tu peux le mettre là, mais c'est risqué quand même. T'as des choses... Parce que là, tu nous as fait des crêpes, ça, on les a cachées. Tu sais que Jackie s'en va avec les crêpes dans la gueule. Et la nuit, il les amène dans le lit. Il adore ça, les crêpes. Il est 5h30. J'ai libéré mon employé. Et ben, elle m'a bien aidé. On a bien avancé. Je vais étaler vraiment sur toute la semaine. J'en ai même profité, là, je suis partie vite fait acheter... 4-5 bricoles à Leclerc. J'ai déjà fait la moitié des... Ça prend un temps fou. Des bordereaux d'envoi. Là, je suis sur les cartonnages. Je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé parce que... Attends, j'allume. Ben oui. Ce que j'ai pris à Leclerc. Parce que je suis plutôt contente. C'est assez rare de trouver des coussins carrés. Je voulais remplacer le coussin que j'ai sur ma coiffeuse. Parce que le siège est carré. Regardez comme il est beau. 40 par 40. Il est magnifique bleu canard. 8,95 €. J'ai pris, parce que j'ai pas de sel, je sale très très peu. Mais je pense qu'il faut que je sale un peu plus, en tout cas pour moi. J'ai pris le sel de l'Himalaya. Il est très bien. Je voulais camomille. Pour les migraines, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je suis un peu embêtée. Clipart, c'est pas mal, mais dedans, il y a... avec ça, cannelle. Je vais préférer sans. Ça, je m'en suis pris. Filet de sardines, citron, j'adore ça. Macro. Et pareil, macro moutarde. Je kiffe. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Mais je vous ai quand même montré. Je pense que ça va être très joli. Il y avait bleu. Et un petit peu doré marron. C'est très joli. Bon, par contre, c'est le bazar hein, sur ma coiffeuse. À un moment donné, il va falloir que je la range. J'en ai conscience. Je fais une petite pause dans ma journée. Nous sommes donc mardi 14 février.
c'est la Saint-Valentin. Et je dois dire que je me suis fait une très belle surprise. C'était pas prévu, mais j'ai eu une proposition qui ne se refuse pas. Moi, j'ai le Samsung S20 et je voulais le changer. Notamment, à l'époque, je voulais prendre le S22 et il était encore cher. Et là, on m'a proposé d'avoir l'équivalent, voire mieux, que même l'iPhone 14. Il est sorti il y a 10 jours. J'ai le Samsung S23 Ultra. Il est dingue. Je l'ai depuis hier soir. Et je l'ai eu, accrochez-vous bien, pour une centaine d'euros. Évidemment, j'ai dit oui et l'offre, c'était jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, Saint-Valentin, je me suis fait plaisir. Est-ce que c'est un vlog qui va être très, 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 très intéressant? Pas sûr. Je vous l'avais dit, hein, je viens de finir. Oh merde, je suis éclatée. Il est 18h44, j'arrête. Parce que déjà, je vois de moins en moins. Quand je dis j'arrête, c'est la prod. Je reprendrai demain matin. Ah ouais, mais je pars à 11h. Mais voilà, donc... Pour aujourd'hui, c'est fini. Vous allez vous dire, mais c'est la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu as prévu? Eh bien, rien. Et ça, c'est cool. J'ai dit à Eric, ça te dérange pas si on sort pas, il me dit, bah non. Bah, je suis contente. Je vais juste me poser devant une série. Et puis, ça va être formidable. Pas du tout envie. Mais alors, tellement pas. On n'est pas dans ça. Arrête! Tu vois bien que ta mère est fatiguée. Attends. Oui. Il y en a partout. J'ai fait des lessives. Et c'est en train de sécher de partout. Il fait vraiment sombre ici, hein. C'est très bleu. Oh, c'est le bordel. Je t'ai entendu, ça va. Oui, on t'a tous entendu d'ailleurs. Hop. Je vous montre sans vous montrer. Ça, c'est la production du jour. Parce que si je lève trop, on va voir les bordereaux. Donc non, je suis contente pour une journée de boulot. Et surtout, c'est toujours la plus longue puisqu'il faut amorcer sur le choix de pas mal de choses. Donc après, c'est lancé, quoi. Je vous dis, il y en a pour... ça, c'est la première journée. Il y en a au moins pour 6 jours. C'est très très long, en fait, par box. Parce que j'y mets un soin tout particulier. Donc ça prend du temps. Je vais quand même nous préparer un petit truc sympathique pour l'occasion. Et puis, je me dis que comme demain, je me lève très tôt... Enfin, c'est nul, quoi. J'aurais bien, si short, on aurait été au resto, j'aurais bien voulu boire un petit apéro, un petit verre de vin, un petit truc. Mais là, non. On remettra ça. Bon, ça a quand même pas mal d'avantages finalement de quoi être sorti hier soir. Je me suis réveillée tôt, j'ai bien avancé. Là, il doit être 10h. On va chercher maman à 11h30. Je pense qu'on sera de retour vers 15h de façon à ce que je puisse m'avancer un maximum parce que quand je suis dans la semaine de production, l'idée c'est de ne pas faire que ça parce qu'à côté il faut aussi que je tourne, que je fasse du montage, que j'appelle les marques. Enfin, il y a plein de côtés administratifs aussi à faire, donc c'est toute une organisation. Chaque heure est importante. Je viens de me laver les cheveux. Enfin, je me suis lavé les cheveux ce matin et le jour où je me lave les cheveux, il ressemble à rien. C'est-à-dire que je suis obligée de mettre une barrette pour leur donner un minimum de forme au-dessus. On va être en retard, hein. Alors ça m'agace, j'ai commencé à faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, je me suis rendu compte que il y a pas mal de séquences floues, alors que j'ai réglé en mode priorité au visage. Et ça c'est pire parce que même là, j'arrive pas avec l'autre caméra à vraiment savoir si c'est flou ou pas. C'est pénible. Bon, on est arrivé 20 minutes, on avance. Ça va être long. Je suis chez Bureau Vallée, j'ai besoin d'un pèse-colis très précis à 0,1 g près parce que celle que j'ai de Leclerc, elle n'est pas du tout précise. On a mangé chez Paul, un petit sandwich, café. Il faut pas que j'arrête de me prendre la tête. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes rentrés. Tu peux fermer, ça pue l'essence. Oh, merci. Oui, donc, nous avons redéposé ma maman, il est déjà 16h. Et en fait, je me vois pas reprendre. Enfin, je devais faire le montage du vlog, c'est trop tard. Oh non, faut que je vous filme ça. Oh non, mais regardez-moi ça. Regardez sa bouille. Oh non, mais il est trop mignon. Tu me regardes, toi, dis donc. T'es trop mignon. Et Eric, là, m'a demandé si on... Il regarde très discrètement la bouille du chien. Non, mais sans rire, regarde cette mignonnette. Ah, mon grand. Oh, il y a quelqu'un qui... Ben oui, oui, oui. Il y a un gamin qui est assis à côté de lui, là, il est avec le bombe, c'est pour ça qu'il est haut. Ouais, c'est là, cuisiner. Ouais, cuisiner là. Oui, donc est-ce que tu veux qu'on se balade? Je me dors dessus là. Non, mais parce que je voulais faire un peu avancer encore les box. Tu ne forces pas de balader avec moi? Non, mais au contraire. Pas du tout, c'est que vraiment j'ai coup de barre. J'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Tu manques un peu d'enthousiasme, c'est pour ça que tu dois choisir entre la peste et le choléra. Non, oh, là, ça fait du bien. Alors, selon vous, est-ce qu'on est allé se promener? Eh ben, pas du tout. C'est Eric qui me fait, ouais, non.
je le sens pas, je sens que tu vas pas être dedans. Et effectivement, ça me tracassait cette histoire de pèse-colis. Et puis, je voulais rentrer pour m'avancer un maximum. Et j'ai vraiment très bien fait. Pourquoi ? Regardez. Ça, c'est la petite balance finalement qui est culinaire. Donc, elle est soi-disant à 1 gramme près. Mais il y avait une différence entre 10 grammes. Moi, ça me mettait dedans. Résultat, j'ai pris celle-ci, professionnelle. Qui a d'ailleurs un autre design qui est bien et qui est à 0,1 g. Et regardez un petit peu la différence. Donc il a fallu que je repèse chaque colis pour voir si c'était bon par rapport au bordereau. Bon, déjà, une fois sur deux, celle-ci, elle me donnait pas les grammages. Donc là, j'y suis. Regardez, le même colis. Hop. Déjà, voilà, il bug. Je perdais un temps fou. On recommence. Là, il m'indique 300 88 grammes. Ça se dépêchait, vous avez vu, il a bugué. Pour le même colis, m'indique 392 grammes. Là, on a une différence de 4 grammes, mais parfois, ça me met 10 grammes et ça me met dedans. Donc, comme je vous disais, j'ai dû tout rechecker, réajuster certains bordereaux, bref, un temps fou. Et ben voilà, je l'ai fait et je me sens mieux dans ma tête. Hop, hop. Regardez, on est passé à Leclerc parce que je me suis pris un... Ça, c'est vraiment indispensable pour tenir ou faire des stories avec le portable. Et à Leclerc, elle me dit, tiens, parce qu'il sait que je prends beaucoup de compotes. Regardez ce qu'on a pris, j'en ai pour un moment. 96 pommes potes. Magnifique. J'ai même pas vu. Ah, pomme nature, pomme fraise, pomme banane. Voilà, rien de fou au niveau des goûts. Mais c'est parfait et ça va jusqu'en novembre 2023, donc c'est nickel. Et c'est vrai que je me rends compte que je ne vous ai même pas dit. On est allé à Chartres, donc c'était pas prévu parce que quelqu'un... elle devait être emmenée et en fait, elle n'a pas pu être emmenée à Chartres, donc c'est pour ça que j'ai dû aller avec elle. Elle avait rendez-vous encore chez un anesthésiste pour ça. Troisième intervention qui aura lieu dans quelques temps, quelques jours. Et voilà, donc j'allais pas la laisser tout seul. On n'allait pas parce qu'Eric est venu avec nous. Il est quand même 19h54 et j'ai un pantalon de pyjama. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure où je suis rentrée, j'ai fait que ça. Mais c'est cool, c'est très très bien. Il a fait les bêtises lui. Hein. Il est magnifique celui-ci. Oh, il est beau. J'ai vu un chien tout à l'heure. Et oui, j'ai fait les infidélités. Mais j'ai pas fait les bisous, non. Concernant mon cadeau de Saint-Valentin, à ce niveau-là, hop, on a un petit stylet, mais c'est un stylet pas comme les autres, interactif, où tu fais des captures écran, tu fais plein de trucs. Des fois, tu as envie de noter un truc rapidos, hop, tu le fais, tout est interactif, c'est un truc de dingue. Et je vous dis, il va vraiment falloir que j'étudie, oh là, ça pique, il va vraiment falloir que j'étudie de près tout ça, parce que je pense que cet petit ordinateur, j'ai envie de dire, cache beaucoup de choses. Mais pour l'heure, je vais préparer à manger. Eric, je pense que qu'est-ce qu'il veut. Moi, je pense que ça va être une petite soupe. J'ai pas des masses faim. Je vais me poser devant ma série. Je suis sur une série. Alors, par contre, évidemment, c'est sur Prime Video, enfin Amazon Prime. Esthétiquement et tout, j'adore, j'adore, j'adore. C'est la fabuleuse Madame Maisel. C'est top, ça se passe dans les années 50-60, début des années 60. C'est dans le milieu du stand-up féminin. Donc autant dire que c'est les hommes qui avaient le monopole. Et c'est vraiment génial, je l'adore. Et ceux qui l'ont vu, dites-moi si vous l'avez vu et si vous avez kiffé. En plus, il y a 4 saisons, j'aime bien quand c'est des longues saisons. Parce que tu sais que tu vas être très longtemps à retrouver la série le soir. Bon, bah vous l'aurez peut-être compris, je vais arrêter maintenant ce vlog. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bisous.